Vous êtes fous Vous voulez me la Avant de, 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 de rentrer dans, dans le détail du film, en fait, tu, tu, as, tu as souvent dit que le western était une des, de tes sources d'influence, que tu aimais beaucoup le western hollywoodien, etc. Et c'est un film qui m'a fait penser à un western, en fait, la première enfin, fois que j'ai vu. Peut-être tu le connais, c'est L'Homme de nulle part de Delmer Daves. Je l'ai pas vu celui-là. Ah ben, bah, alors c'est Glenn Ford qui arrive dans un ranch où il est embauché pour travailler dans le ranch et en fait il détruit l'ordre du ranch sans le vouloir en fait. Il évidemment, il est, il suscite la jalousie de, de, du régisseur qui est joué par Rod Tiger et surtout il il détruit l'ordre conjugal puisque la femme du rancher en fait veut partir avec lui donc c'est c'est vraiment un, hein comment C'est une copie. Une copie, euh, bah, si tu l'as pas vu, on peut pas dire que tu l'as copié. Ouais. Mais bah je te le, c'est un très beau film d'ailleurs, très ouais. très avec Glenn Ford, Rod Steiger et Ernest Borgnine dans le rôle du mari Ernest Borgnine. Ouais. Et la femme c'était Valérie French. Et, et donc c'est Rod Steiger, il est génial. Là. Euh, par... Oui, souvent. Des fois il en fait un peu trop, mais ouais, là mais il, il est très il bien était là. peut une fois la révolution. Euh, vrai. Je l'adore. Hein. Ah bah ça ouais. oui. Mais ça a été pénible de tourner avec lui, paraît-il. Ah ouais. Oui, oui, pour il voulait tout avoir des gros plans, donc il, se, il arrivait sur le plateau en caleçon <laughs> pour que, <laughs> pour que la, la caméra le cadre au moins au-dessus au de la taille. Enfin, euh, enfin, bref, je te recommande ce film qui, qui enfin, c'est presque, voilà, c'est Peau de Vache à, à, en 1956 à Hollywood. Et euh, ça m'a fait penser à ton, ton coup pour le, pour le western. Alors, je sais que ce, ce film-là, c'est ton premier long métrage. Tu écris le scénario toute seule. Ouais. Et en fait, j'ai lu, enfin tu avais dit qu'en fait, au, tu avais d'abord, tu as eu les acteurs avant l'histoire, c'est-à-dire que tu voulais faire un film pour euh, Stevenin et Sandrine Bonner. En fait, à la base, euh, je voulais faire un film pour Stevenin parce que j'avais eu un choc émotionnel à Passe Montagne, mm -hmm. euh, Et euh, je l'avais vu quand j'étais mon premier boulot payé dans le cinéma, c'était Stagiaire honteux sur une chambre-ville où il jouait un petit rôle. Mm -hmm. Donc j'allais tout le temps sur le plateau et je lui avais dit, euh, je vais... Je veux absolument que tu joues un grand rôle, pas juste dans tes films, voilà. Mmh. Et euh, il a bien rigolé, puis il venait pas au rendez-vous, euh, il a jamais lu le scénario et et pour, euh, j'avais fait un résumé en trois pages du coup. Il y a Chantal la script du film qui est là dans la salle, mmh. donc elle peut certifier. <laughs> et euh, et, euh, et en fait euh, pour qu'il vienne, j'ai engagé Yann Dédé comme vétérinaire parce que je me dis comme ça il viendra. Parce que c'est son, son copain. C'est son super pote, mmh. voilà. Donc euh, il ne pouvait pas le planter, Yann qui était le monteur. Enfin, euh, le monteur de Stevenin, de Piala, de Truffaut, de plein quoi. Mmh. Mmh. Et ben, euh, il voulait être acteur à ce moment-là, et donc euh, du coup, Stevenin ne pouvait pas le lâcher, donc il allait venir. Voilà. Ah oui, bien joué. Mmh. <laughs> ouais. Mais après, il fallait écrire une histoire autour de, non, non, de Stevenin. Ça, c'était euh, vieux le truc le ouais. départ, et donc j'avais commencé à l'écrire ben, en 83, je pense. Mmh. Mmh. Et puis après, quand j'ai monté saint lois et, et après j'ai demandé à Sandrine de, de venir. Voilà. Mais là, y il avait, y avait déjà un scénario. Il y avait un scénario mmh, qui était à peu près... Euh, mmh. On a changé. Il y, y a une dame qui s'appelle Sophie Schmitt qui a sauvé le film en venant le monter. Parce que j'avais fait moi un premier montage qui était complètement euh, parisien, trop à la y a cahier du cinéma ou je ne sais pas quoi. <laughs> et euh, tout le monde était content alors qu'avant personne n'était content. Mais moi, j'ai complètement flippé. Et, et donc, du coup, on a, on a tout arrêté, et on a recommencé. Et Sophie Schmitt, elle est arrivée, elle m'a viré du montage 15 jours. D'accord. Et euh, après, on a travaillé. Voilà. Mmh. Et c'est elle qui a, re, qui a quand même sorti le film de, du pataquès à caisse de bordel dans lequel il était. Parce qu'en fait, en gros, c'est quand même un miracle que le film tienne debout. Voilà. Bah, D'après ce que j'ai compris, le tournage a été difficile. Là, les, le premier mois. Mmh. Le premier mmh. mois a été. Tout le monde voulait se barrer, oui. Ouais. <laughs> Bah, même euh... moi. <rire> <rire> enfin, finalement, ça, ça se voit pas du tout. <laughs> ouais. Et puis en fait, on a, on a, parce qu'en fait, le scénario était, mm. le, dé le, début était bien. Il y avait le truc avec euh, mm. copier José Wells, quand même, avec un feu, puis un mec qui arrive et qu'on pense qu'il va se venger. Et puis, oui. et mm. puis après, après, on était, on déroule un peu la même situation. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. Mais euh, mais en fait, il était un peu... Bah, je saurais pu faire un bon téléfilm pour France 3 Régions. Euh. Mmh, euh, c'est un peu mieux que ça, ouais, <laughs> l'arrivée. En fait, c'était... Voilà, donc c'était... Et mmh. puis j'étais pas du tout prête à diriger une équipe de, de, de vieux pros comme l'équipe de Raoul. Ouais. Voilà, euh, parce que c'est Coutard qui a fait l'image voilà. et... Et euh, c'est mon papa de cinéma, je lui dois énormément parce que j'ai app appris avec lui qu'il faut euh, avoir l'air de savoir ce qu'on veut. Sinon, ça part en bordel. Mais il y a eu voilà. des points de désaccord avec lui sur le tournage. Ben C'est-à-dire que... Il n'est pas au générique. Un... C'est lui il... qui n'a pas voulu. Voilà, il il est... a... En fait, ouais. le producteur... Il y a un blanc et puis il y a écrit Image, il y a un blanc, puis il y a Et. Donc, il y a ceux et... qui ont assisté, mais il y a... lui il a disparu. Ouais. Ben, oui, mmh. en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fait... Exp... En fait, je ne savais pas qu'il ne voulait pas.. Quand on a fait le générique, le producteur m'a dit Tu peux pas mettre Raoul, il n'osait pas me le dire. Parce qu'il y a eu des grands moments de bonheur aussi avec Raoul. Mmh. Il y a eu les deux, mais il y a eu des moments d'horreur. Et euh, en fait, euh, euh, il... Parce que Raoul ne voulait pas qu'on tourne comme ça. Et à un moment, Chantal s'était fâchée contre, contre l'équipe en disant Mais arrêtez, parce que tout le monde parlait comme j'avais l'air de ne pas savoir ce, qui est, ce que je voulais, ce qui était le cas. Euh, C'est-à-dire que je m'étais dit avant ce film il faut chercher. Il ne faut pas être sûr de. Mais il faut... En fait, il faut chercher, mais il ne faut pas montrer. Il ouais. ne ouais. faut pas montrer qu'on cherche. Il faut faire croire qu'on a trouvé. Quitte à faire de la merde, euh, le <laughs> premier jour, il faut. Voilà. Et, euh, et donc. Euh... Donc c'était un peu compliqué, on faisait à peu près quatre plans par jour, tellement à chaque fois c'était des discussions. Et, euh, et à un moment, euh, Chantal avait dit, euh, non mais arrêtez, je pense que ça va quelque part. Mmh. Voilà, bon, bref, donc c'était... Bah oui. et... Mmh. et donc en tout cas, juste pour l'histoire de la signature, comme ça on passe après à autre chose de plus, euh, bien sûr, plus joyeux. Euh... Mmh. Euh, au moment du générique, Jean-Luc m'appelle et me dit, euh, tu peux pas mettre à... Jean-Luc, c'est Jean-Luc Cormier, le producteur. Absolument. Oui. Et, euh, et je lui dis comment ça, il me dit j'ai il ben y a un recommandé par avocat que j'ai depuis deux mois et demi euh, mmh. qui veut pas, il a le droit moral de pas figure générique. Donc je l'ai pris comme ça. Je lui dis mais tu l'as appelé, il me dit bah ben non. Et je lui dis ben comment ça, euh, il faut l'appeler, lui demander pourquoi. Et donc j'ai appelé Raoul. Et je lui ai dit mais Raoul il paraît que tu veux pas signer. Et il m'a dit oui mon petit chat. Et je lui ai dit euh, et pourquoi et Il me dit parce que c'est de la merde ma biche. Et ah oui. euh, et ouais. il avait un caractère. Oui 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 mais c'est un homme très compliqué très complexe mais vraiment très intéressant mmh. euh, parce que c'est un grand poète et un gros connard en même temps quoi. <rire> euh, <rire> et et sûr. Euh, ça arrive sous, ça arrive parfois. Ouais. ouais. <laughs> Et donc, je lui ai dit, pourquoi tu ne veux pas le signer pour, pour, Parce que c'est de la merde. Je lui ai dit, mais tu en as fait plein des merdes, parce que j'étais au bord des larmes quand même. Mmh. Pour, parce qu'il a fait plein de chefs-d'œuvre, mais il a aussi fait des merdes. Hein. Mmh. Et, mmh. Euh, et donc, euh, <laughs> pourquoi tu signes pas celle-là <coughs> Et il m'a dit, parce que celle que j'ai faite, et j'en ai fait plein, tu as raison ma biche, eh ben c'est moi qui les ai faites. Tandis que là, tu m'as forcé à le faire. Ah mais c'est Donc... presque un compliment indirect bah, On s'est euh... réconciliés en 2007. Mmh. Et là, mmh. je lui ai évidemment... Ça. Parce qu'en fait, quand j'ai mis Blanc et André Clément, mmh. pour tous les gens du cinéma, ils savaient que c'était Raoul parce mmh. que la seule personne qui... Parce qu'André Clément était vraiment... Je veux pas. Euh, c'était une catastrophe, quoi, sur un plateau. Euh, mmh. Et donc, euh, c'était vraiment horrible de tourner avec euh, cette bande de gens qui attendaient leur portrait pour quitter le cinéma, quoi. Ah et, oui. et donc, euh, bon. Donc, du coup, on savait que c'était Raoul mmh. en voyant mmh. André Clément. Voilà. Alors, sur, sur la discussion, enfin, sur les désaccords avec Ra Raoul Coutard il y a quand même. J'ai cru lire une chose qui m'a semblé très, très intéressante. C'est vous n'étiez pas d'accord sur la couleur de la nuit. Oui, mais il a raison. Moi, j'avais tort, mais en même temps, j'avais. Bah, c'est pas aussi. sûr parce que l'idée oui. de la. nuit... Toi, tu pensais que la nuit devait être jaune, la lueur des lampadaires, des autoroutes, etc. Et mmh. lui était plus pour une nuit bleutée, c'est ça Ouais, exactement. Mmh. as bien lu. Ah ben oui. oui. <laughs> J'ai oui. un mais peu en révisé. Mais oui. il me disait, mais la nuit à la campagne, c'est bleu. Et je disais, mais non. Et donc, du coup, on avait mis un lampadaire sodium mmh. sur roulette mmh. pour le mettre dans des bouts de plan. Pour mmh. euh, voilà, mais du coup, il a chargé le jaune tellement ça l'énervait, quoi. Et, euh, ah oui. Mais ben en même temps, il y a, y a je moi, je pense, trouve ça, bien. ça oui, ça a mmh. plus de force quand même de. Oui, puis finalement la couleur de ce film est dans les jaunes, entre oui. la terre, euh, l'ensileuse, la moissonneuse. Bien euh, sûr. Euh, mmh. Et, et oui, puis la nuit en... jaune, mmh. ça empêche le film de sombrer dans le joli, ce que on peut pas dire dans la joliesse, ça peut, ça, ça peut pas dire que c'est soit le défaut du film. Euh... Non, <laughs> mais mais mmh. mais euh, en fait c'était parce que je voulais. Je savais pas trop ce que je voulais, mais je voulais montrer que la campagne était un endroit où il y a beaucoup de bruit et où mmh. c'est moderne et où mmh. c'est pas euh, juste le silence et les oiseaux, quoi, oui, et les jupes sûr. à fleurs. Mmh. Oui, oui, oui. Alors Justement, le, 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 cette histoire, alors elle est, c'est une histoire de, de, de faits divers. Ça pourrait être un fait divers euh, campagnard, un, un, une ferme brûlée euh, intentionnellement, un homme qui meurt, un homme qui fait de la prison, et puis qui revient voir son frère. Et il y a cette incertitude sur euh, son, ses objectifs. Enfin, sur est-ce qu'il veut se venger euh, Est-ce qu'il exprime pas aussi la culpabilité de, de son frère Donc euh, il y a une dimension de, 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 de enfin, de la culpabilité de d'avoir mis son frère, d'avoir été responsable de la détention de son frère, etc. Donc je parle Ça du personnage sûr, de Jacques Spicer. Ouais, il est... est super là-dessus. Il est complètement a absolument. Est triste, culpabilité. Et donc euh, ce, ce alors c'est en même temps un film où on, 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 on l'exprime mais de façon souvent brutale, euh, tout d'un coup. Et sinon, c'est des gens qui ne l'expriment pas en fait. Il y a beaucoup d'empoignades dans le film, enfin mm. beaucoup sur une manière. Euh, c'est la manière des gens qui n'arrivent pas à exprimer leurs émotion D'ailleurs c'est intéressant de voir que le personnage de Stevenin, quand il a une émotion, il le dit pas, il scène du nez. Je trouve que c'est une idée assez formidable. Alors, sur cette idée, quand même, de, de, de cocotte minute, de, de, ou, ou dans, lesquelles, dans laquelle bouillonnent les rancœurs et les, et les, et les peurs, il y a un critique qui a parlé de Simnon. Est-ce que ça te. Tu y avais pensé ou pas du tout Non. D'accord. Bon. Non, parce que ça peut y faire penser. Oui. Ça peut, ça peut y faire penser. Entre Delmer Daves et Simnon, donc c'est vraiment. Non, mais je ne pas à à l'époque. Oui. Mmh. Et. Mmh. Euh, ouais, mmh. après. Euh... Non mais je comprends le. Enfin, c'est le côté où, où, comme on est au milieu de nulle part, mmh. et qu'il y a le fait divers et qui mmh. qui commence qui surgit, le film et ouais. qui, qui irrigue tout le reste du film d'une certaine mmh. manière. Euh, et ben, il n'y a pas de commissaire Maigret, mais mmh. euh, mais il y a le côté un peu c'est les romans durs de Simon où ouais, ouais. les choses pèsent, C'est les gens sont des taiseux plutôt, oui. et puis le drame éclate ou pas d'ailleurs à la fin. C'est variable, je pense, mmh. au roman dur. Ben Donc là, ça pourrait y faire penser. Là, oui. il éclate au début. Les, les premières versions du scénario, Roland était trucidé. C'est ça, c'est-à-dire ouais. que tu avais imaginé une autre fin. Ouais, mais peut-être mmh. j'aurais dû à tourner, ça aurait fait un film coréen, quoi. Euh, ouais. Mais euh, <laughs> en fait, il y avait une énième bagarre. Mmh. Et, euh, et dans la cuisine, mm -hmm. ou dans la cuisine, ça avait été l'enfer le tournage parce que tourner dans un petit décor mm -hmm. est toujours complexe. Mm -hmm. C'est plus, voilà, c'est et donc euh, elle est toute petite comme vous avez vu et donc c'était euh, hell kitchen quoi pour tout mm -hmm. le monde. Mm -hmm. Et il euh, y avait une dernière bagarre dans la cuisine écrite hein, euh, et euh, les financements on les a eu avec ça et ils s'empaillaient. Il, 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 il se fracassait contre la fenêtre dans la bagarre parce qu'il c'est pas des bagarres, c'est pas comme Bowling Saturn, hein, c'est pas mmh. des bagarres de frangins, quoi. Mmh. Et des empoignades euh, ouais, fraternelles. Fraternelles, qu'on pleine de boules. Avec de la violence, quand ouais, même, bien sûr. Mais euh, et en tout cas, là, ça devenait... Il s'empalait sur la vitre et donc il était mort. Et donc, du coup, Spiesser et Sandrine l'enterraient dans le bac à sable. C'est mmh. pour ça qu'il y avait une scène de bac à sable. Ça s'est décidé pendant le tournage que... Que, que parce qu'en fait j'avais pas envie qu'il meure parce que je l'aimais trop Stephenin, oui et je voulais pas qu'il meure donc finalement c'est devenu en cours de deuxième mois de tournage l'histoire d'un homme qui renonce à sa vengeance qui voyez mmh. oui, ou alors et après c'est le film il appartient aux gens qui le voient parce qu'on peut se dire que quand il repart il a un peu détruit le couple de son frère oui, c'est une hypothèse. C'est des gens qui le reçoivent comme ça des fois. Je dis ok c'est bon. Moi je l'avais pas vu. De toute façon, ce qui est beau dans le film, c'est qu'au début on pense aux deux à l'affrontement entre les deux frères. Et puis à un moment donné, le personnage joué par Sandrine Bonner prend de plus en plus d'importance. Et à un moment donné, c'est elle qui décide de ce qui se passe. C'est-à-dire c'est elle qui de temps en temps elle elle excite son mari, de temps en temps elle excite son beau-frère. Enfin elle les excite au sens au sens moral, pas seulement. Sexuelle, mais et puis elle décide de partir, sortir seule. Ce moment où elle sort seule, où le mari se retrouve face à ses, à ses réflexes euh, complètement rétrogrades de vouloir la retenir à la maison. Et donc on sent que c'est c'est que c'est à la fois l'histoire d'une femme qui parce qu'un intrus est arrivé dans sa vie a tout d'un coup a, 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 la perspective d'un ailleurs l'a effleurée ou d'un ailleurs au sens où je peux faire aussi autre chose que ce que je fais toute la journée. D'ailleurs c'est intéressant quand euh, elle dit j'ai été deux fois à Paris. C'est-à-dire qu'on sent quand même que c'est quelqu'un qui ne sort pas beaucoup de, de, de l'endroit où elle vit et où elle travaille. Et donc, j'ai le sentiment que ce personnage prend dans le film de plus en plus d'importance jusqu'à euh, décider de ce que vont faire les autres. Ben oui, c'est parce qu'elle veut faire sortir, d'abord, elle fait sortir le secret euh, mm -hmm. de son mari euh, dans la scène de la boue. Mm -hmm. Et euh, avant ça, il y a la scène dans la nuit, un peu genre... Euh... Psychose ouais, matrimoniale, ouais, il ouais. se retrouve avec son frère dans sa chambre, c'est super chelou. Mm -hmm. Et euh, le... donc là, Jacques avoue à Stévenin qu'il l'avait embrouillé, en fait. Mm -hmm. Là, on se retombe dans un espèce. Là, c'est le côté polarisation, non, avec les vaches malades, l'embrouille avec le vétérinaire et tout. Mm -hmm. mais, mais tout ça est peu important parce qu'effectivement, ce qui est important, c'est est-ce que. Roland vient leur faire peur et il s'en va. Mais elle, elle, elle essaye de sortir la vérité. Et puis... Absolument. Elle dit et il elle... veut la ferme il faut que l'autre lui dise. Mais non, ça ne l'a jamais intéressée. Oui. Donc, elle, elle a essayé toutes les hypothèses. Ouais. Parce qu'en fait aussi, il y avait un truc sur la campagne, le territoire du film, où je pense que là, c'était un truc où moi-même, je ne savais pas quel était mon sentiment avec la campagne. Mmh. Parce que j'avais toute ma famille, euh, sauf mon père boulanger qui était de la campagne. Mmh. Et, et, et donc, je ne savais pas si je l'aimais ou pas. Et je pense que Roland, il est pareil. Oui. Il, mmh. il, il mmh. déteste cet endroit, mais, mais il y revient. Voilà. Mmh. Alors, j'ai aussi une, une, une hypothèse. Enfin, je trouve qu'on n'en a pas... Je n'ai pas lu de critiques qui en ait parlé. En fait, moi, j'ai une hypothèse sur le film. C'est qu'il y a le diable dans le film. Le diable, c'est Yann Dedé. C'est le personnage joué par Yann Dedé, Berino, le, le mmh. vétérinaire. C'est lui. Qui euh, permet à l'embrouille du début de se faire et donc à l'incendie, à la ferme de brûler, au premier, euh, au personnage, enfin à l'accident dans lequel un personnage meurt, etc. Et on sent que c'est aussi lui qui euh, conduit la jeune fille paumée au suicide. Enfin, une histoire entre eux très, oui, oui, très brièvement. Et en lui, fait, c'est le mal absolu, c'est lui, c'est le, le diable. Enfin, il y a, c'est presque une figure diabolique. Lui, est, il n'est pas sauvé. Hein. Oui, voilà, ouais, il n'est pas on sauvable. Pas. Ouais, non, ouais, lui on l'aime ouais, pas. Oui, ouais, mmh. on ne l'aime pas. Oui, ouais. il a fait. Ouais, ouais. euh, euh, c'est clair. Oui, oui. Mmh. Euh, <rire> <rire> Alors, il y a aussi une, une chose dont qui 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 j'aimerais que tu parles, c'est la musique. Mmh. C'est-à-dire les, les, ces accords de guitare électrique, ces percussions, qui est une musique à laquelle on ne s'attend pas forcément dans un film sur la campagne française, etc. Donc comment tu as pensé à la musique, qu'est-ce que tu as, as souhaité lui faire dire, et aussi c'est peut-être un parti pris que tu vas utiliser dans d'autres films un peu différemment, mais c'est quand même cette idée d'une dissonance entre l'image et le son, enfin entre ce qui est montré et ce qu'on entend, la musique qu'on entend sur les images. Bah, en fait, euh, il y a plusieurs questions là. Hein. Euh, euh, oui. euh, on le, le, mh, je connaissais Passion Fodder, Theo Acola et Passion Fodder. J'aimais mm -hmm. beaucoup leur son et en fait, je trouvais que c'était une bonne idée que dans le film on fasse une musique qui, qui soit justement pas bucolique. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup travailler la musique de film ça depuis le début. Mm -hmm. Des fois j'en mets trop, des fois elle est trop forte. Enfin bon bref, mm -hmm. mais euh, et 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 je voulais une musique où, où il puisse se mélanger avec les, les, les sons de, de moissonneuse, d'ensilage et tout, uh -huh, uh -huh. En, tout en restant un personnage. La musique, ça reste une sorte de personnage qui, qui ponctue la narration, mais sans le, la didactionner, quoi, sans, euh, sans la répéter. Uh -huh. voilà. uh -huh. mais, mais le côté métal, c'était à cause du... Il y a beaucoup de, métal, de bruit de métal dans le film. On a même bruité les glissières d'autoroute. Ah oui, d'accord. ça fait partie oui, de la stylisation. Ob... Oui. C'est ce qui là. fait qu'en fait mmh. le film sort d'un réalisme pur mmh. pour déboucher forcément sur, sur autre chose. Oui, oui. Quand... Moi, je le trouve pas du tout naturaliste, mais il est un peu quand même. Enfin, par rapport à mon dernier film, il l'est beaucoup et euh, par oui. rapport à bowling Saturne mmh. et bah, les lieux et... sont moins stylisés euh, mmh. ils sont plus réels voilà bah, plus... En, même temps, euh, en, en même temps ils sont bizarres quand même bah oui on ouais. a complètement repeint la, par exemple la chambre rose elle mmh. a été repeinte parce mmh. que j'ai dit euh, à Yves Brever le décorateur que je voulais qu'il ait fait une bonbonnière pour sa femme Jacques Pessert. Mmh. Gérard mm -hmm. et, euh, et le, le, après le, enfin, si vous voulez le, les, les papiers peints qui ressemblent au chemisier de Sandrine tout ça c'était une stylisation euh, je pense que j'avais vu genre à la Minelli quoi mm -hmm. d'accord dans ma tête Il y a hein. les rideau de ouais. comment vous... la toile d'araignée non, non mais le travail sur la couleur mm -hmm. je voulais montrer qu'on a beaucoup de couleurs mm -hmm. enfin j'avais envie de couleurs quoi mais pour, pour équilibrer le euh, le jaune euh, des machines oui. et et en même temps il y, mmh. y a une dimension tout à fait crédible qu'il oui, voulu oui. transformer non, non, la, est... sa chambre ben en, il a en tout congé... refait oui. tout bien quoi mmh. Mmh. pour elle oui il mmh. n'y mmh. a plus de vaches mmh. maintenant il est entrepreneur de travaux agricoles mmh. Euh, mmh. Euh, voilà et c'est un truc euh, le travail sur la musique après je l'ai continué avec euh, John Cage oui, avec Saint-Cyr, en fait. Avec Saint-Cyr, avec euh, Sport de filles et avec Paul Sanchez. Absolument, oui. Voilà. Et euh, à chaque fois, c'était un truc réfléchi par rapport au sens du film. Ou alors. Euh, euh, mais ça, c'est sûr, on est en train de parler de Pont de Vache, donc c'est bon. Non, non, mais on peut, on peut, pas, on peut, on peut élargir. Peut-être en, par, oui. en parlant de la musique, justement, en passant par la musique. Euh, L'autre jour, j'ai revu Saint-Cyr et euh, c'est vrai que. Le travail de John Cale sur le film est, enfin, est étonnant et d'une certaine façon, il, il sauve le film. Enfin, le film se sauve tout seul, mais euh, ce n'est pas une reconstitution historique, bah, comme tu dirais pour faire 3 provinces C'est-à-dire que la, la leçon son euh, contribue à faire du film euh, ce qu'il est, enfin, ce, de le rendre conforme à la définition que tu avais donnée du film, qui était, tu disais, ça va être ces full metal jacket en jupon. Oui, ça c'est ce que j'avais dit au début à John et ouais. à Isabelle, hyper oh, euh, mm, mm, pour les convaincre de venir. Mais ça a marché, c'est une bonne idée. Oui, après <laughs> je trouve pas que ça soit tant full métal, jaquette en jupon. Mais bon, attends juste pour revenir à ouais. pot de vache, il y a un truc, euh, le rapport au fait divers. Par exemple, mm. on, on... parce qu'au début il y a le fait divers du début, qui est vraiment un pur fait divers, qui de... sort parce qu'on est à la campagne. Et après il y avait des échos comme par exemple quand il va au bord de la rivière avec euh, la petite fille mmh. euh, avec anna là on était en plein en france vous vous contextualiser mais on était Bien en sûr. plein dans le choc de l'affaire grégory et donc le quand, quand l'équipe était arrivée et avait vu le décor, ils avaient dit Ah, ben c'est l'affaire Grégory. J'avais dit Oui, c'est l'affaire Grégory. <laughs> voilà. Parce que euh, ça, fait, ça faisait partie de la psychose ambiante générale. Oui, puis il ouais. y a une dimension terrifiante de la campagne, je dirais, essentielle aussi, essentiellement. Hein. Enfin, mmh. enfin c'est Jules Renard qui avait écrit dans son journal euh, Je n'aime pas la campagne, la nuit on s'emmerde. Non, le, la nuit on a peur et le jour on s'emmerde. Oui, mais en fait, euh, moi je la trouve, il n'est pas joli le film, mais je la trouve belle, la campagne, parce qu'elle elle a des volumes. Absolument, mmh. oui, 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 il y a ouais. une... elle n'est pas jolie, absolument, mmh. elle n'est pas bucolique, elle ne mmh. correspond pas du tout, et en même temps, elle a une une souveraineté, une présence, euh, jusque peut-être dans la terreur, mais après tout, c'est... Mmh, parce que je voulais aussi qu'on ait peur dans le Et film. Et puis il y a la beauté, euh, je dirais, géométrique aussi de la campagne avec les moissonneuses, la moissonneuse batteuse, euh, les moissons, les champs, euh, cette stylisation un peu géométrique qui rend le film un peu abstrait, euh, qui est finalement peut-être ce que tu as aimé aussi. Dans l'idée de faire un film sur un établissement pour jeunes filles de nobles euh, de nobles ruinés euh, créé par Madame de Maintenon. Là, je parle de Saint Cyr. où en gros, il faut il faut les mettre en rang quoi. Les, à la fois les émanciper et en même temps leur donner un, un cadre. Moi, j'ai un peu senti cette idée, cet intérêt pour toi, pour une géométrie un peu abstraite dans tes films. Euh, ouais. 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 Et euh, euh... En fait, c'est surtout que je crois que c'est surtout que peut-être que j'aime beaucoup le cinéma soviétique. Mm -hmm. voilà. Mais oui, on y pense, oui, bien ouais. sûr. Et, ouais, et ouais. donc mm -hmm. euh, voilà, ça doit m'influencer euh, à la base. Mm -hmm. Et parce que j'aime bien les westerns et le cinéma soviétique. Donc mm -hmm. voilà, ça fait bon. Et mais le le, euh, le truc, c'est que quand on fait un plan. Ça m'aide beaucoup qu'il y ait des lignes mmh. pour après essayer juste d'aider les acteurs à rester vivants à l'intérieur. Absolument. Un peu, voilà. On en reparlera mmh. ça, quand on parlera du dressage. En fait. C'est mmh. assez lié à l'idée euh, du dressage de chevaux. Mais on en, on en, on en parlera tout à l'heure. Si après euh, Peau de vache, il y a ce film incroyable euh, qu'il est aujourd'hui très compliqué de voir pour des raisons de droit. Et qui est un film qui, quand il a, on l'a découvert, euh, a été vraiment un choc parce que la télévision ne nous avait pas habitués à montrer des films de cette force-là. C'est Travolta et moi. Mmh. Alors comment ça se passe Comment tu passes donc, de Peau de vache à Travolta et moi euh, bah D'abord, avant, j'ai fait un documentaire sur la génétique bovine, où oui. sur les taureaux et les vaches, mmh. où je me suis bien éclatée. Mmh. Et, euh, mais en fait, euh, bah, c'était une commande de participer à la collection pour faire un film où deux contraintes existaient. Il fallait que ça se passe pendant les années où j'étais adolescente et euh, qu'il y ait une boom. Euh, mmh. Chantal Poupeau appelait ça une boum. C'était Chantal Poupeau et Pierre Chevalier pour, euh, ça. pour Arte. Et, et ouais. ma production mmh. Euh, mmh. qui étaient les producteurs. Oui. Et euh, donc avec Yves Thomas, c'est là qu'on a commencé une collaboration d'écriture. Mmh. Et c'est lui qui a pensé, comme il savait que j'étais fille de boulanger, mmh. euh, à l'histoire d'un premier amour. Et après, musicalement, c'était de passer des, de, du disco au punk. Et donc mmh. euh, au début c'est les Bee Gees puis à la fin c'est les Clash mmh. Mais, euh, mais c'est lui qui, qui a imaginé euh, une, 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 une gamine qui tombe à qui a le coup de foudre pour mmh. le, 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 la flamme du premier amour, apprenant mmh. plein symbolique, machin et tout. Mmh. Mais et puis elle doit garder la boulangerie de son père et elle ne peut pas aller à la boum. Moi ce que je voulais c'est que la boum soit à la patinoire, ça j'y tenais beaucoup. Euh... Encore un lieu à la fois concret et bizarre. Enfin. Euh... Ouais, mais je, je, à l'époque je réfléchissais pas à ça. C'est juste que je mmh. savais. Je suis pas du tout une fêtarde qui va dans les fêtes, donc je mmh. me disais je sais pas du tout quoi faire dans une fête. Donc euh, par contre quand j'étais gamine, j'étais grosse et je faisais pas de sport et j'avais vachement envie d'aller à la patinoire et j'y allais pas. Donc je me suis dit mmh. comme ça on y va. D'accord. <laughs> c'était pas y aller. Ouais, et... c'est des trucs cons mais comme ça après. Mais... Et en fait c'était un lieu hyper intéressant à investir. Voilà, donc y avait la, et, et le feu quand Yves m'a dit elle met le feu pour aller à la, à la boum mm -hmm. à la patinoire, mm -hmm. euh, je trouvais ça tellement rigolo quoi. Voilà. Ah oui. oui. Alors c'est peut-être ton film le plus romantique. Je euh, ce... oui. oui. on va pas raconter le film. Oui à oui. De... Bah, c'est l'histoire d'un premier amour. Mais il y a un voilà, premier amour, il y a un suicide, il enfin, oui. y a quelque chose. Suicide, on est dans l est pas... on est dans l'absolu là quand même. Complètement. Là, mais ouais. le suicide mmh. du personnage Nietzsche de Nicolas et pas ce qu'il y a de plus réussi dans le film. Euh, voilà mais ce mmh. qui a de bien c'est que tout le monde dit que c'est un chef d'œuvre mmh. mais c'est d'autant mieux qu'il est invisible voilà <laughs> je veux dire euh, voilà il passe demain bon. hein, donc euh, oui. venez oui. venez tôt parce que je pense qu'il y aura du monde mmh. mais, il mais il passe euh, demain c'est bien parce qu'il est invisible qu'il est culte c'est un statut assez protecteur d'être invisible oui mais je voilà. me souviens que mmh. quand il est sorti quand il est passé oh. de toutes les films de la série à l'époque j'avais tous mmh. vu c'était parmi les, les, les préférés quoi il était ah ouais. vraiment parmi les préférés non quoi. non mais euh, mais c'est à mmh. dire que c'est parce que c'était le plus original le mais il a une grande actrice qu'il tient parce que même qui fait parce qu'il y a des mmh. séquences un peu foireuses où on récite comme dans un téléfilm arté parce que je j'avais pas le temps de tournage mmh. et euh, mais elle elle sauve tout ça quoi c'est euh, Leslie mais mmh. elle sera là demain ouais ce qui est dingue je suis pas là ça m'énerve mmh. <laughs> ouais parce que je suis à la Rochelle pour bowling Saturne et je ne vais pas voir Leslie qui va voir le film ouais. elle l'a vu mmh. que à Locarno quand elle avait 15 ans c'est tout hein. mmh. euh, c'est c'est bon. wow ben ouais, c'est un événement historique. Oui, c'est un événement historique pour moi en tout cas. Alors tu, tu donc on a, on a, on a, évoqué Saint Cyr avec ce mouvement contradictoire. C'est l'histoire. Attends, du... juste sur Travolta. Oui. Donc à la fin, toute la partie musicale, comme oui. on avait accès à un catalogue. Mm -hmm. euh, Incroyable. Mmh. Euh, bah, du coup, on a construit une BO de, de dingue, c'est-à-dire qu'il y a à mmh. peu près trois budgets de long-métrage dans les droits musicaux. C'est ça, c'est-à-dire que oui. les droits musicaux sont, sont tellement chers que on ne peut pas commercialiser le film aujourd'hui. Voilà. Euh, pour euh, nous, on a eu beaucoup de mal à, à obtenir cette copie de la part de, de droit qui a été très enfin, effrayé à l'idée qu'il y ait une projection publique de ce film pour lequel les droits musicaux ne, 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 ne sont pas réglés. Et de toute façon, régler ces droits musicaux reviendrait à payer très très cher, parce qu'il faudrait payer et tous les, les ayants droit, enfin, de toutes les et, musiques qu'on entend. Et les goodies, et Travolta, et, et plein de trucs. Ah oui, oui ouais. bah, mm. du, du, du disco, au punk. Oui, oui, absolument. <laughs> et euh, on a euh, réussi à les, les, à, les, à les, à les convaincre de nous prêter la copie pour une projection gratuite. C'est-à-dire que l'idée oui. c'est pas qu'on fasse des recettes. Vous imaginez les recettes qu'on peut faire ici euh, oui. C'est vraiment pas. Mais bon, on, leur a, non, on mais les a oui. rassurés. On leur a dit, écoutez, on fait projection gratuite, donc on peut pas nous accuser d'exploiter commercialement un film pour lequel les droits n'ont pas été réglés. Euh, je pense que juridiquement ça tient à moitié, mais peu importe. Euh, oui, parce qu'au début vous ne même pas. Ouais, oui, oui, vous ne pas. Donc ouais. ça, permet de, ça vous permettra de voir le film demain, ouais. euh, voilà, 17 h je crois. 30. Donc tant mieux. Très bien. Et tu n'es pas là demain pour le bah non, présenter Non, je suis au bowling Saturne à, à La Rochelle. Très bien. Ouais, donc mmh. Je ne suis pas ubiquitaire. Ouais. Non, non. Ouais, Désolée. Ouais. Alors, les, les animaux. Oui, ça, c'est une bonne question. Hein. Les animaux, parce ouais. que dans ton cinéma, ils sont très présents. Alors, tu as parlé de ce film, euh, le film que tu as fait après Peau de Vache sur la, la, la sélection des vaches et les manipulations génétiques et, mmh. et la façon dont on fabrique des super vaches mmh. euh, avec du super sperme de super taureau, etc. Enfin, oui. le film est. Et alors. Les, non, les... mais c'était un, docu, un documentaire pédagogique. Euh, pour la, pour, 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 euh, pour France, France 3, non Pour ou... France 2, oui. France 2, mmh. c'est ça il est d'ailleurs, euh, d'abord il est passé ici il y, a, il y a deux jours, ou hier, je ne sais Mais plus. Il est dans les bonus. Et il est en supplément dans le, 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 le DVD Blu-ray de Peau de Vache, édité par les éditions de l'œil. Donc euh, c'est là qu'on peut le voir. Et, et alors c'est un film. Alors il, le premier plan, c'est le même que Peau de Vache, c'est un œil de vache. Oui, c'est vrai. Hein. C'est un œil de vache. Et Mais. Ça, ça m'a rappelé. Alors, je ne sais pas si tu connais l'histoire de, 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 entre Go Go Jean-Luc Godard, Alain Tanner et les vaches. Non. Alors. Parce que c'est vraiment une, enfin ça, c est, c est une, c une question de cinéma en fait. C'est que Godard avait quelque chose. Enfin, Godard en avait après Alain Tanner pour une raison ou une autre. Et lorsque les Cahiers du cinéma lui proposent de diriger un, un numéro de la revue, il publie. C'est au moment, ce numéro tombe au moment où Alain Tanner sort son nouveau film qui s'appelait Messidor. Et Godard met trois photos de vaches. Et il, fait une, il écrit une lettre à Tanner et il dit, voilà, cher Alain, etc., tu aurais dû faire ci et ça, je crois que bon. Et il dit, et là, j'ai mis trois photos de vaches parce que ces trois photos, sur ces trois photos, chaque vache a une expression différente et c'est beaucoup plus que tes actrices. a été vache, hein bon. Et Luc Moulet lui a répondu. Il a répondu dans le numéro d'après en disant, en contestant ce que disait Godard, en disant, Jean-Luc, tu retires à la vache son unique privilège, la neutralité du regard. Et je trouve que c'est génial parce que c'est une idée de cinéma. Et alors toi, tu fais quand même un truc dans le film des taureaux et des vaches, il y a un effet coulé chauffe. C'est-à-dire que tu filmes ta vache, elle est dans son box, donc on voit que l'œil qui, qui, qui sort, on voit pas tout, tout, le, tout le museau de l'animal, on voit l'œil. Et puis tu fais un montage avec des, des spots publicitaires qui font la promotion du lait. Mm -hmm. Et l'œil exorbité de la vache, on a l'impression qu'elle a la trouille. Mais non, mais euh, euh, revois le film. Elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est pas dans son box. Ah, oui, elle euh, est dans le truc de l'abattoir. Dans la glissière, voilà, oui, c'est ça. elle est ouais, juste ouais. dans la glissière. Mm -hmm, la... Donc mm -hmm. parce qu'en fait, comme je voulais pas faire un film contre la viande et contre l'élevage. Mmh. J'ai mis la mort au début pour passer pour en, pour pour, vrai, pour en finir avec voilà. le, donc ça commence par la mort l'abattoir les pubs et tout mm -hmm. le produit le lait la va et après on rentre dans les histoires d'ADN d'insémination de transplantation embryonnaire et de clonage mais là on voit que le il y a des circonstances extrêmes où le regard de la vache n'est plus neutre ah et ben d'ailleurs ah, il, il est dit il est dit dans se... le film qu'il faut pas stresser les vaches moment quand on les emmène à l'abattoir oui. parce que la viande n'est pas bonne est, si elles sont trop stressées quoi elle durcit elle durcit voilà mm. c'est ça mm. Non, non, c'est un film, c'est un film étonnant. Alors les, les animaux, alors il y a évidemment deux films où les chevaux ont une extrême importance, c'est basse Normandie et Sport de filles, euh, qui sont des films sur le sur le dressage. Hein, euh, euh, mais au-delà au de au-delà de, de ça, est-ce que l'animal, c'est pas quelque chose qui te sert à jouer entre le documentaire et la fiction Alors basse Normandie est un film dans lequel il y a des éléments très documentaires, captés par la caméra de, de ton caméraman enfin ton opérateur et puis des scènes qui, sont, qui ont eu lieu mais que tu reconstitues voilà. avec Simon Régiani etc ouais. bah, bah, Bastant Mandier est un film qu'on a co-réalisé ensemble mm -hmm. euh, qui est sur son aventure extraordinaire de lire Dostoïevski à cheval au salon de l'agriculture c'est mm -hmm. complètement ouf mm -hmm. voilà et euh, le, 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 le truc le, le cheval c'est pas moi c'est quand j'étais avec Simon Régiani parce mm -hmm. que moi le cheval moi c'est les vaches D'accord, oui, très bien. Voilà. Les clair. vaches et tous les autres animaux, voilà. Mmh. Et, et par exemple sur Sport de filles, qui était écrit à la base par Simon Reggiani, mmh. euh, j'ai délégué l'amour du cheval aux cavalières. C'est pour ça que mmh. c'était tellement important pour moi que les actrices soient des cavalières, mmh. parce que pour moi c'était un film sur l'argent et sur ah, l'esclavage mmh. et mmh. sur euh, exercer sa passion et sur la liberté aussi, oui. enfin oui, comment, comment être, être libre dans un monde où l'argent mmh. domine tout quoi. Oui, c'est peu... vraiment un film sur l'argent. Mmh. 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 Mais, euh... Mais en même temps, le dressage, c'est un peu une métaphore, c'est le metteur en scène, il passe son temps à faire du dressage. Il enfin, oui, bah faut que ça rentre dans le cadre, faut... Oui, ouais, tu as raison, c'est canaliser les forces mm -hmm. sauvages, euh, mm -hmm. essayer de garder mm -hmm. les forces sauvages en les mettant dans une direction. Mm. Mais, Mais tu dis, c'est la direction d'acteur la direction de, des, 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 des hommes et des choses, hein. enfin ouais, pas forcément les acteurs. acteurs. Moi je pense c'est le casting. Hein. Mmh. C'est-à-dire ah. tout se fait au casting ben, 90 mmh. euh, parce que après c'est de préparer ensemble. Mmh. De se... Mais le casting mmh. te donne déjà l'acteur qui est ce que tu veux qu'il soit, quoi. Parce qu'il l'est déjà en fait. Enfin, tu viens chercher chez un acteur quelque chose qu'il a déjà, quoi. Euh, tu n'as plus euh, de façon à ce que tu n'es pas à lui dire ce qu'il doit faire, non Je sais pas. Que tu fasses attention à ce que tu dis quand même. Ah ben bah oui, Parce je veux bien. Je... Mais tu sais, moi j'apprends. Hein. Je ouais. C'est toi je qui vas me dire. dire <laughs> je ne pense pas que quand j'ai choisi Achille Reggiani pour faire Armand dans Rolling mm -hmm. Saturne, il est le monstre qui devient. Enfant. Ah non, bien sûr. Tu non, mais euh, euh... être un acteur, c'est être un acteur. Enfin, <laughs> ouais. c'est pouvoir faire ce qu'il qu fait. Enfin, c'est. Non, C'est lui ou dit, pas En fait, c'est-à-dire, ça joue à deux le casting. C'est pas de D'abord, il y a deux choses. Le casting avec les non-professionnels, le casting avec les enfants, et le casting avec les acteurs. Et depuis que j'ai tourné avec euh, Bruno Gans et Marina mm -hmm. et Josiane, j'ai appris à ne plus avoir peur des acteurs. Avant, j'en avais peur quand même. Mm -hmm. Voilà. Euh, parce que même si Saint-Cyr, Isabelle, elle est d'enfer dans Saint-Cyr, mm -hmm. mais je veux dire, j'étais quand même dans un truc où on était dans. Le cadre entre l'utopie et la, le crépuscule de la deuxième moitié cauchemar était des lignes très raides mmh, qui mmh. construisaient l'histoire. Donc après, euh, Isabelle, elle s'est prise en charge à l'intérieur de ces lignes. C'était, euh, il y avait un tel bordel de logistique de toute façon dans ce film que de toute mmh. façon, euh, chacun faisait son boulot quoi. Mais euh, mais en fait après. Avec Bruno et Marina et, et Josiane et, et Lionel Dray aussi qui fait le palfrenier et que j'ai pas assez utilisé pour moi dans Sport de filles parce que c'est un mmh. grand acteur. Mmh. Et ben euh, j'ai j'ai compris j'ai vu à quel point c'est pas les mêmes. Et, enfin c'est con ce que je dis. Mais évidemment. Mais euh, mais je veux dire c'est de, de de préparer vachement avant. Et ben ça donne encore plus de liberté après. On, parce qu'on peut tout changer, mmh. mais du coup, ils sont, eux, ils sont nourris quand c'est. Je parle quand c'est des acteurs professionnels. Quand c'est des acteurs non professionnels, là, il faut essayer de trouver quelqu'un qui a la nature proche. D'accord. Et, et en même temps, il faut du temps. Si, par exemple, quand on avait fait le casting de Paul Sanchez, qui est une tragique comédie euh, très décalée, mmh. que euh, si je pense si le film avait été en finlandais ou en. Ou en esquimau, il aurait hyper bien marché. Le fait qu'il était en français, les gens ils se sont dit c'est quoi le ton euh, mmh, mmh, Mais, euh, mmh. mais, mais le, à la base, je voulais prendre dans le Var, parce que tout est circonscrit dans le Var, mmh. des, des, je voulais prendre des gens du Var, à part la boulangère du village de la Motte, on, avec Sandrine Lapuyade, où j'ai fait tout le casting des second rôles dans le sud, on a pris des, des acteurs de théâtre parce que j'avais trop peu de temps. Si j'avais pris des acteurs, comme le film était quand même très écrit, il aurait fallu que j'ai le temps de travailler avec eux beaucoup, mmh. de, comme si on s'apprenait à mort à se connaître, etc. Euh, tu vois ce que je veux dire mmh. et, 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 et donc là, c'est des acteurs. Euh, donc, acteurs professionnels, la préparation c'est important. Non professionnels La préparation, est, il faut. En, la spontanéité. Il faut oui, mais il faut du travail quand. Quand les rôles sont des rôles de, de, qui sont pas naturels, proches d'eux. D'accord. Mmh, c'est ça mm, que je voulais dire. Mm, mm. Si c'est des rôles proches d'eux, euh, on... on les prend, on les saisit au naturel, comme on dit quoi. Ouais, enfin, euh, ouais. même si c'est une, sans doute une ouais, illusion de facile. dire ça comme ça. C'est pas facile. C'est une illusion. C'est une illusion. illusion. Mmh. C'est pas facile. Dès qu'il y a la caméra, ça change tout. Enfin, ouais. ça devient plus compliqué. Ouais, ouais. Bah, Paul Sanchez et, et Bowling Saturne, c'est un peu le retour au fait divers aussi, ça. Ben, ça, c'est marrant. Mmh. Je m'en suis aperçue quand je l'ai vu. Euh, mmh. Mmh. Paul Sanchez, qu'il avait le rapport, il, le fait divers, le vrai, mm -hmm. se finit le film, contrairement à un pot de vache où ça commence. Mm -hmm. mais, mm -hmm. euh, mm -hmm. mais tout le sujet de Paul Sanchez, c'était une idée Yves Thomas construite autour du rocher de Roquebrune. c'est sur le fantasme qu'on a pour le fait d'hiver. Toute mm -hmm. la ville devient mm -hmm. dingue à, à chercher Paul Sanchez, et nous on cherche Paul Sanchez partout. Là, il va passer ce soir, donc faut peut-être pas raconter le twist. faut pas raconter, il des... raconter ouais. la, la fin, mais... Oui, faut... ouais, parce qu'il y a des twists. <laughs> il ne des... faut euh, pas raconter a, les et, twists, et, oui. Ouais, mm -hmm. et, euh, mais c'est ce qu'on projette dans un... C'est vraiment.. Il y a un personnage de gendarmette, euh, fantômette, joué mm -hmm. par Zita Enro, mm -hmm. qui voudrait plaire à son commandant qui cite Machiavel à tout bout de champ. On n'est pas du tout dans un film, on est dans une tragique comédie. Mm -hmm. Et euh, eh ben elle ne pense, elle ne vit. Que pour attraper Paul Sanchez, elle projette sur lui tous les, mm -hmm. les, les, les fantasmes les plus dingues. Mm -hmm. et, elle, et elle devient folle. C'est bah d'ailleurs à ce à quoi les... servent souvent les faits divers. C'est des projections de fanta... fantasmes. Bah c'est le truc, ça je mm -hmm. l'avais dit en promo à l'époque, mais c'est comme quand on n'arrive pas à dormir puis qu'on regarde Faites entrer l'accusé, c'est trop bien. Quoi. Ah ben bah c'est des, ouais. des scénarios de films à chaque fois. Oui, plus... mais on se projette et dans des sûr. vies terribles mm -hmm. et puis mm -hmm. nous on sait que ça. Enfin, on ne se projette pas, C'est pas de l'identification, mais on, on, on éprouve, des, on, on comprend des histoires incroyables et on est euh, tranquille euh, devant sa télé. Quoi. Oui, et puis c'est c'est presque, on est à portée de tragédie. Quoi. On n'est ouais. pas loin de la tragédie parfois, mmh. avec euh, l'idée de la contingence, le hasard. Beaucoup de faits divers sont simplement le fruit d'un événement qui est arrivé par hasard. Euh, et donc il y a évidemment une dimension tragique qui qu'on peut aussi très très vite trouver dans le, dans le fait divers. Mais dans Bowling Saturn je pense que tu vas même au-delà de la, de la tragédie, enfin je en suis très consciente, du, 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 c'est presque de la mythologie, là, on est dans, ouais. du, du côté de la mythologie euh, pure, quoi. On est comme dans un conte mythologique mmh. très noir sur la solitude des hommes mmh. et des femmes après le XXe siècle dans un monde en chaos. C'est sur la sauvagerie en héritage. Mais c'est un film qui est... Qui est, euh, qui reço... il y a des aspects qui sont comme dans Peau de Vache mais Peau de Vache c'est sous le soleil et mmh. sous le ciel mmh. et et et, et est un film où on est tendu euh, normalement urbain, nocturne Ouais, euh, tendu de, 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 dans un univers de film noir euh, poussé au bout du bout du bout c'est à dire que je, je me suis dit il faut qu'on prenne tous les risques pour le, le tendre, parce que l'histoire est très primitive. Et euh... Bien sûr, c'est parce on est dans un monde originaire. Enfin, face ouais. à lui, c'est les sources du, du naturalisme au sens fort, c'est-à-dire c'est un monde. Les pulsions viennent d'un monde originaire, archaïque, chaotique, chaotique, le chaos. Et puis, c est, c est, ça donne, enfin, des, les, les meurtres, la, la, la mort, quoi. Enfin, ouais. c'est l'ordre. On pourrait dire l'ordre patriarcal, pour parler un peu comme on parle aujourd'hui, mais l'ordre patriarcal débouche sur la mort. Oui, et puis c'est tu m'avais envoyé un SMS où je, je m'étais dit, ah, c'est bien écrit. Ah. Euh, tu avais dit un patriarcal ancestral. Oui, et oui, euh, oui. Parce oui, que oui. mmh. c'est les racines de la violence mmh. qui sont euh, et, euh, ressenties tout le long du film et ou, qui explose à la fin dans un dîner de chasseurs très baroque, mmh. très opératique. Absolument. Et, 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 c'est comme un cœur, en fait, mmh. les chasseurs. Parce qu'il y a deux deux grosses scènes de temps réel, qui sont ce dîner des chasseurs qui est d'une violence mentale et historique et mmh. tout fort. C'est aussi comment maintenant, dans le cinéma, euh, traverser la violence. Et puis avant, il y a une scène de violence physique mmh. où on est dans le temps réel. Euh, comme, et je voulais que ça soit comme un puits, comme euh, comme, comme quand Hitchcock, il a fait psychose. Hein. Oui. Voilà. Sûr. On pense aussi au crime était presque parfait avec la longue scène de lutte entre Grace Kelly et son agresseur. Enfin, c'est très long aussi. Il a du mal. Elle, elle, elle finit par le tuer, mais euh, oui. faut que je le celui-là. Je l'ai pas vu. Ah oui. Et ben, il y a une autre scène chez Hitchcock, c'est le rideau déchiré, qui va passer bientôt ici. Donc, je te, je te Oui, il y a une scène de meurtre sans musique. Ouais. Il, a, il, avait, il avait décidé d'enlever la musique. Euh, donc, sans musique, où Paul Newman se bat avec un espion et essaye de l'étouffer en lui mettant la, la tête dans un four à gaz, mm. euh, en essayant de l'asphyxier. Mm. Et c'est une scène très longue. Et, et on voit que tuer, c'est pas facile. Enfin, c'est ouais, ça l'idée d'Hitchcock. Mais mm. moi, je voulais aussi montrer que c'est pas facile de mourir, d'affronter la mort en face, mm. etc. Enfin, mm. tous les deux. C'est pas facile de tuer, c'est pas facile de mourir. Mmh. Euh, et après, c'est pas facile de voir d'où ça vient. Euh, bien sûr. Voilà. Mais donc oui. et en même temps, on est vivant. Mmh. Mmh. Euh, est... Vous avez bien compris que si vous n'avez pas encore vu Bowling Saturne, allez-y dès demain parce que ce soir il y a les films de Patricia à la ouais. Cinémathèque. Mais voilà. Je vais peut-être laisser, la... va peut laisser la salle poser des questions s'il oui. y en a. Oui, bonjour. Je me suis toujours demandé, dans le, à la fin de Travolta et moi, à la patinoire, la grande sculpture, si c'était une sculpture construite ou si vous l'aviez trouvée ou si vous aviez cherché une patinoire dans laquelle il y avait cette sculpture ou si vous étiez tombé dessus par hasard et que vous aviez eu envie de l'intégrer dans, dans le film. Ah là, mais ça, c'est une, une bonne question. En fait. Surtout mes films, quand j'arrive à faire un film, ce qui n'est pas si souvent que ça, mais enfin bref, et ben, euh, à chaque fois le lieu est très important. Et donc la patinoire elle était très importante. Et avec Louis Soubrier, le décorateur, on a fait un tour des patinoires de France, je ne vous dis même pas. Et, euh, et en fait. <coughs> Pardon, j'ai un peu la crève. Il euh, y avait une patinoire qui me plaisait énormément à Dunkerque, parce que c'était comme le ventre d'une baleine. Et c'est marrant parce que le bowling. Dans Bowling Saturne, c'est pour moi le ventre de l'ogre du fantôme du père. Mais là, c'était. Et à Dunkerque, on ne pouvait pas parce que c'était le carnaval. Mais à Chalon-sur-Marne, il <coughs> ben, euh, y avait cet espace il y avait surtout une mairie qui nous a aidés. Donc, euh, on a repeint en orange la patinoire avec eux. <coughs> et euh, je crois qu'il faut que je boive. Et en fait, le problème, c'est que c'est à chaque fois des questions de cinéma. Non, on a Louis Soubrié a, a, a imaginé cette sculpture euh, très cinéma soviétique parce que ça faisait une patinoire très ville communiste, euh, voilà. Et, euh, et moi, je cherchais un endroit pour qu'il puisse sauter, pour le suicide. C'était très haut, donc on l'a construite avec les services techniques de Chalon-sur-Marne. Mais c'était hyper intéressant de, de parce qu'on sortait complètement du réalisme là. Voilà. Mais après, je vous dis que si vous avez vu le film, le suicide de Nicolas en narration, ce parce pas ce que j'ai de mieux réussi, mais je voulais faire le plan où il y a la mort qui tombe. Et ça, je l'ai copié, ce plan, de l'argent de l'herbier. Mmh. J'avais été très impressionnée par un truc à la bourse de l'herbier. Avec voilà. la caméra qui est montée sur. Ouais, je voulais refaire le même plan pour là. voir si ouais. ça marchait. Quoi. En fait, mmh. si, si vous voulez, Travolta et moi, franchement, on a tout essayé parce qu'on se marrait bien mmh. et que je, je pensais que personne verrait ce film. Donc, on a essayé plein de trucs <laughs> euh, et il y a des trucs un peu foireux. Marcher un moment. peu ce qui arrive hein. oui. parce qu'on oui, ne peut pas oui. le montrer. Oui, oui, non, mais au finish. Parce que les droits musicaux, dans l'époque de la diffusion Arte, étaient dilés sur le territoire Arte. Il a été très, très, très vu, quoi. Mais euh, dans la période euh, 93-96. Mais depuis, les peaux de vache aussi étaient disparu depuis très longtemps. Mmh. Et j'ai pu récupérer le film qu'il y a trois ans. Mmh. Tu m'as dit tout à l'heure que peaux de vache, le distributeur qui était censé distribuer le film n'y croyait plus et a laissé, avait laissé tomber. <laughs> et que donc tu as été obligé de trouver un autre distributeur. Pas moi, le producteur. Enfin, en fait, le producteur, euh, oui. mais euh, oui, oui. Enfin, il n'aimait pas le film. Mmh. C'est un super bonhomme euh, le premier distributeur. Je l'aime beaucoup. Oui, C'est oui. grâce à lui que le film s'était fait. Mmh. Et euh, quand il voyait le film au projection de son montage, il sortait de plus en plus vert et transpirant et malade. Et, euh, et à la fin, il a dit et il m'a envoyé, une, il m'a même envoyé une lettre en disant à quel point il était mal à quel ah oui. point il n'aimait pas et que oui, bien sûr, il tiendrait son contrat si on ne l'obligeait, mais que ce n'était peut-être pas une bonne idée parce qu'il détestait tellement. quoi. Il n'aurait fait aucun effort. Ben, C'est très compliqué de sortir mmh. un film qu'on n'aime pas, je pense. C'est sûr. Voilà. Mmh. Et euh, donc, du coup, on s'est retrouvés sans distributeur. Mmh. Mmh. Et, et on est resté trois mois avec le producteur qui essayait de faire venir des distributeurs, mais aucun ne voulait venir parce que tout le monde savait que l'autre avait lâché. Oui. Et euh, c'est ce que j'expliquais à Jean-François tout à l'heure, qui est très mignon et qui est dans le livre DVD, qui est sublime objet fait par Galtecher parce qu'il y a des photos de tournage trop belles. <laughs> et euh, non, mais c'est vrai, les <laughs> photos de plateau de Claudine Douris, sublime. C'est plus les photos. Le livre de photos, je trouve dément. Il l'a fait tout seul, je l'ai découvert il y a quatre mois et j'étais hyper émue. Quoi. <laughs> et enfin, bref. Mais euh, en tout cas, j'ai eu un coup de fil parce que c'est dans le livre DVD d'une dame euh, qui m'appelle un mardi soir je me rappelle c'était un mardi soir et elle me dit euh, bonjour euh, madame euh, euh, je suis l'assistante de monsieur Danet vous connaissez monsieur Danet Je dis non euh, mais euh, voilà il a vu votre film aujourd'hui et vous attend en direct euh, à France Culture demain et donc c'était le première interview de ma vie et j'avais 28 ans et demi et euh, et c'est cool parce que il a parlé tout le temps et que c'était, il m'a expliqué mon film, c'est génial. Après, euh, il avait tout compris, il était trop fort, quoi. Et en plus, ah oui. il parlait bien avec des vraies bonnes phrases. Euh, oui, oui, oui. Non, puis il, avait, il comprenait les films enfin. Non, mais c'est-à-dire, c'était pas juste, j'aime, j'aime pas. C'était ah pas non. juste, c'était pas juste. Point de vue moral ou pas point de vue moral. Au coup, il, il, il regarde. Oui. C'est, c'est intéressant d'être spectateur euh, parce que moi, j'adore, je suis une bonne spectatrice. J'adore voir les films qui m'emmènent dans un monde. Et puis mmh. après, on sort du film et mmh. soit on reste avec ce monde un peu dans la tête, mais en tout cas, on a notre vie. Mmh. Et j'adore ça. C est, c est... Et, et, euh... et, et d'année il avait cette réceptivité à, à regarder ce qui est... Et il ne parle pas d'autre chose que de ce qu'il a vu, mmh. mais il l'analyse. Euh... Enfin, il est très précis, il... oui. Oui, il mmh. donne du sens. Non, mais c'est mmh. assez cool. Mmh. C'est un très très bel... Et donc, du coup, il, est, il a été transcrit dans le DVD et c'est hyper intéressant mmh. sur euh, ce que c'est un article de fond sur un, sur un film. Mmh. Ça m'avait beaucoup aidé. Et en fait, du coup, après, on a trouvé un distributeur à co grâce à Serge Danet. C'est-à-dire que l'émission ah, est, est passée avant que le film sorte, en fait Non, l'émission est passée alors qu'on n'avait personne et elle a déclenché. Un intérêt on a, Elle a déclenché le, le Festival d'Angers, le Festival de Cannes et un distributeur. D'accord, un certain regard. Ça, ouais. Le film était un ouais, certain ouais. regard. Non, non, mais c est, c est, elle a tout rebasculé dans l'autre sens. Bah, ça fait plaisir quand on dit parfois que la critique ne sert plus à rien. Bah, en tout cas, ce n'est pas vrai dans certains cas. Quoi. Bah, en tout cas, c'était. Ouais, enfin, en cas, pas, en cas. pas en 89, quoi. Mmh, mmh. Mmh. Mais maintenant. Euh... Bon, ça, c'est un autre débat, oui, effectivement. Est-ce <laughs> est qu'il y a d'autres mm. questions Oui, merci à la Cinémathèque pour cette rétrospective. J'avoue vous avoir découverte à l'occasion de cette rétrospective, justement. Je ne connaissais que Santoine Iloy, que j'ai vu il y a. Qui est d'Agnès, hein il y a enfin, dont vous êtes la scénariste, je crois. Non, et... c'est plus compliqué. Ah, non, ça je peux vous expliquer. D'accord, bon, mmh. donc, peu importe. Donc, en tout cas, je voudrais revenir sur le film que j'ai vu, euh, Bowling Saturn euh, ». C'est un film qui, au début, m'a gêné à cause de la, la première scène de violence extrême, sexe et violence. Et ensuite, euh, je l'ai trouvé extraordinaire parce que euh, on a parlé tout à l'heure du, du, du fond mythologique. C'est vraiment, est, on est en plein dans la tragédie grecque. Donc Saturne, euh, c'est celui qui dévore ses enfants. Mmh. Moi, je, je pense au fameux tableau de Goya, Saturne dévorant ses enfants. En même temps, c'est et Cain, les du frère ennemis. Et en termes de scénario, ce qui est, ce qui est magnifique, c'est que le, euh, ce sont des films que on, auxquels on réfléchit et qu'on, refait dans sa tête après, et on s'aperçoit que certains détails en fait sont essentiels je pense à la, au personnage entre guillemets du chien noir justement mmh. qui, qui est en fait euh, <coughs> peut-être le personnage principal du film au fond bah, c'est le fantôme du papa quoi, quoi. Mmh. en termes inconscient voilà mmh. tout. Enfin, merci en tout cas bah non mais merci à vous mais c'est vrai que on est dans le, le bullying étant sous sol pour moi c'était le ventre du papa L'ascenseur, c'était son boyau qui monte et l'appartement baroque, c'est sa tête très chargée. Et tout ça nous tombe. Et comme c'est vraiment un film sur l'héritage, on rentrait dans un monde obscur et, et organique. Le film est hyper euh, re, ressenti physiquement. Voilà. Et aussi dans un... Euh, Enfin, je... Oui, comme un le... film d'horreur. Enfin, en oui, fait, il y a le... aussi ça, de ce côté-là. C'est-à-dire, l'idée d'émouvoir le spectateur jusqu'à lui faire peur ou le dégoûter. Ou... Enfin, mm. un cinéma de la sensation. Oui, ciné... et oui, où on traverse. Et du coup, on se questionne. On vit pendant ce temps-là des, des choses. Déjà, je trouve que c'est pas mal. Et euh, mais euh... mais c'est. C'est ce conte noir mythologique qui devient comme un cauchemar euh, qui explose à la fin dans le, le chaos. Et donc sur le chien, bah, oui, c'était très important euh, de, 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 de montrer, de toute façon on n'arrête pas de dire le chien du bullying, euh, etc. Et il, est, il a une présence euh, euh, par moment, euh, armant-nous un non-rapport avec lui, mais une cohabitation. Mais c'est vraiment sur le poids, c'est le poids de l'immeuble entier. C'était le fantôme du père, mais il y avait un, un petit fantôme vivant. De... Parce que la question de Jean-François sur l'animal au début, c'est vrai que j'aime. Je ne sais pas si c'est le rapport au documentaire des animaux, parce que là, le, le chien, il n'est pas documentaire. Non, effectivement, il pas est... dans ce cas-là. Il... Mais un animal, en fait, il, a, il se passe toujours, il se passe souvent avec quand on filme les, les animaux ou les très jeunes enfants. D'ailleurs, je pense d'ailleurs à, oui. à la petite fille dans, dans Pot de vache. Il, il y a toujours le risque qu'il se passe quelque chose qu'il n'était pas prévu et que la caméra capte euh, de, et tout d'un coup là on n'est pas dans la fiction on est dans quelque chose qui est arrivé réellement dans la mesure où ça n'était pas prémédité je pense par exemple à un cinéaste comme Oussiaoussien uh, qui est un cinéaste du cadre tout est absolument composé souvent il met des animaux dans le cadre et tout d'un coup il y a une respiration qui arrive c'est-à-dire que euh, tout d'un coup on sait que ce cadre ultra composé où tout le monde sait ce qu'il doit faire tout d'un coup il peut se passer un truc qui n'était pas prévu et même l'idée, en fait, que, oui. ça peut, que ce qui se passe n'était pas prévu, ça suffit pour le spectateur, l'idée. Et je pense que les animaux, euh, les, dès qu'il y a un film avec des animaux, il y a toujours l'idée que ce n'est pas seulement une fiction, mais c'est aussi un documentaire sur les animaux, parce qu'eux ne sont pas des acteurs, ils ont beau être dressés, il y a toujours quelque chose qui peut arriver. C'est un peu ça mon idée. Et je trouve que euh, tu as fait un cinéma là-dessus quand tu as filmé les chevaux, par exemple. Oui. Mmh. Là, ça sera bien de parler avec Marina là-dessus. Là mmh. Mais euh, le. C'est bien, tu penses ça? Mais moi, sais oui. plus un truc de. Je comprends, mm -hmm. mais c'était pas comme ça que je le. En même temps, si, par exemple, dans Peau de vache, les chiens euh, qui sortent, euh, voilà. Bah oui. oui, oui Ils auraient pu tout à coup passer euh, pas là où il devait passer. T'aurais peut-être gardé le plan parce qu'il était bien, non Je sais bah, pas. ça dépend. Le chien mm -hmm. qui, qui nous montre à quel point Roland n'a pas de bol dans la vie, c'est celui qui tue par ah, accident. Bah, c'est celui qui a écrasé. Oui, bah, bien ça, euh, ouais. c'est il a passé là où on lui a dit de passer. Oui, oui, bien sûr. N mais euh, des, quand c'est des chiac... combien, mais il y a toujours cette idée qu'il faut, enfin, qu'ils peuvent ne pas faire ce qu'on leur dit de faire. Ça veut pas, mais tu gardes pas la prise. Mais il y a aussi, tu peux ne pas garder la prise. Mais il y a cette idée que de toute façon, c'est C'est surtout c'est un truc vivant. C'est dans la tête et, du spectateur. C'est vivant. Peau. On est, est dans est le vivant pur. On a, on a un autre, mmh. on a un autre rapport de peau. Oui. De matière. Bah dès que je vois un animal mmh. dans un film, je me dis, il, il, il s'est peut-être passé un truc qui n'a pas été prévu, et c'est ça qui est bien. Oui, oui. Comme les petits enfants, comme les, les jeunes enfants dans, 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 dans les films, Ils peuvent tout d'un coup faire quelque chose qui n'est pas prévu au départ, oui, oui. et que parce que c'est bien ou parce que a été conservé. Et oui, oui. donc là, tout d'un coup, ce qui est documentaire et ce qui est fiction devient, euh, euh, comment dire, indéchiffrable. Euh, enfin, on, 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 on peut pas les séparer. Enfin, oui, mais, mais c'est une idée de peut-être c'est une idée de spectateur enfin, ouais, est, ouais. on est là dans, dans la tête d'un spectateur qui mais je pense que les, les enfants et les, et les animaux c'est quelque chose qui permet d'avoir de, de, cette sensation là parfois au cinéma mais en fait je pense que c'est une sensation de par transition quand ils sont en face d'un acteur comme l'acteur est dans ce que tu dis il ne sait pas si l'animal ou l'enfant va faire ce qu'on lui, lui dit exactement, de faire, ouais. voilà, ouais. et ils peuvent être meilleurs que toi comme acteur, l'animal mmh. ou l'enfant. Mmh. Mmh. Donc du coup, cette mise en danger de mmh. l'acteur rend tout le monde plus vivant. Ah oui, bien sûr. C'est ça que je veux mmh. dire. Mmh. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Oui, oui, ouais, un... Je vois ça. Oui, oui. Mmh. C'est de servir. En fait, c'est de se servir des circonstances. Mmh. C'est un défi que, aussi pour l'acteur. Oui, bah c'est oui. un défi pour l'acteur. Oui, oui, oui bah c'est ou ou un défi ou, ou un outil de jeu. Les deux. Bah, c'est une euh, circonstance euh, les, qui les... fait que lui-même va pouvoir se f... ressentir vivant, euh, même si on fait six, six prises ou dix, Bien sûr. Ou... Voilà. Hum. Hum. Très juste. Ça démécanise les choses, quoi. Ça démécanise. Ouais. Voilà, Et par contre, il y a des fois des situations très complexes à filmer. Où justement la mécanisation libère la liberté de l'acteur tu penses à quoi ben ben À la scène de meurtre d'accord si on l'avait pas chorégraphiée on pouvait pas la tourner parce qu'elle aurait fait un truc dégueulasse et trash et que là on voulait pas que ça soit esthétisant, mais il fallait que ça soit tenu en temps réel mais que ça reste pas beau à regarder mais mais que les plans soient tenu éthiquement oui, ouais. mmh. et, et en même temps tout d'un coup c'est l'éruption du réel et donc mmh. si pour les acteurs c'était un truc où, où de l'avoir quasi chorégraphié avant mmh. leur donnait des points de repère où eux-mêmes avaient la liberté de de se sentir vivants de se mettre en danger euh, en, dans le jeu. Et de tenter Je les choses. Je parle pas en jeu, oui, tout est oui, pour oui, de oui. faux, hein. Mais, mais, euh, mais en, de, 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 parce qu'ils avaient les rendez-vous où ils savaient qu'ils allaient pas se, se mettre des couteaux dans le dos euh, l'un avec l'autre, quoi. Sûr. Voilà. Mais c'est une scène formidable parce qu'elle est sur un fil. Oui. Elle est vraiment. Oui, euh, cherche... et elle, elle reste sur le fil. C'est-à-dire qu'elle ne tombe mais, pas. Mais on cherche toujours à. à... Mais c'est la scène de temps réel avec le dîner des chasseurs. Mais lui, mmh. c'est vraiment une construction de cinéma, mmh. de, de, de cinéma baroque. Mmh. Mais, mais le... c'est la gestion du temps qui fait trouver les choses. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'essaie de. Et après, c'est des rythmes. Mais si on fait ça tout le temps, ça ne marche pas. Les. Il ne faut pas que ça soit toujours le même rythme, un film. Bien sûr. Mmh. Je, je suis très contente de découvrir votre cinéma, Madame. C'est la première fois que je vois ce film. Euh, la, 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 tout ce qui a été dit à propos des animaux m'a beaucoup intéressé, en particulier cette course entre le chien et Stéphenin. Une course, on ne sait pas très bien vers quel destin elle va finalement. Enfin, on imagine la mort, en tout cas pour le chien, c'est certain. Et ma question, c'était surtout votre, vos propos avant la projection du film, quand vous avez dit euh, que ce film était fait de grandes maladresses. Alors maintenant que vous l'avez revu, euh, quels sont. Est-ce qu'il y a toujours ces mêmes maladresses Mais non, mais je vous dis, c'est surtout ben, oui, oui. Il y a des, des petits trucs où, ben... euh... en fait, maintenant, je le trouve très beau le film. Mais, 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 je sais que on a, enfin, je veux dire, euh... ben là, par exemple, dans cette scène, elle est trop maquillée, Sandrine. Exemple. Il y a deux, trois trucs comme ça où. Euh... Mais, mais c c ces maladresses ont fait le fait que le film est sur le fil aussi. Mais je vous dis, c'est juste un miracle qu'il soit bien. Euh, voilà. Après, il y a des grands. La scène du mariage, par exemple, on savait, je savais que c'était bien. Raoul voulait pas. Il voulait qu'on sorte du bus dans le d'un pot de vache. Il disait euh, non, mais t'exagères, ma biche. Euh, là, c'est la scène chère de ton film. Il faut que la production en ait pour son argent et euh, non mais je comprends parce qu'il y avait effet pluie oui, l'idée de la pluie c'est quand même une idée formidable ouais 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 et euh, mais il y avait l'effet pluie il y avait là on avait 70 figurants euh, euh, cette église magnifique c'est pour ça que j'ai pris ce village là parce qu'il y avait la glissière d'un côté et l'escalier enfin bref mais mais du coup effectivement comme c'est le retour de quelqu'un je me suis dit, on va. Là, je suis allée le voir dans son hôtel à Amiens pour qu'on se mette un peu d'accord avant, pour pas que ça soit le, la cata sur le tournage. Et il m'a dit, mais c'est, il faut pas, il faut, il faut en donner pour son argent quand on a de l'argent pour faire une scène. Il faut, il faut montrer la moissonneuse-batteuse. avec tout quoi, les, les guirlandes, etc. Et, et, et je lui ai dit, mais non, on reste dans le, on reste dans le bus. Et je savais pas très bien lui expliquer pourquoi c'était ça que j'appelle maladresse parce que du coup ils, ils arrivent tendus sur le tournage parce qu'ils se demandent c'est compliqué de communiquer quand on sait pas s'exprimer quoi et euh, bon c'est un peu un tautologique je dis ça mais bon et euh, <laughs> le, il n'empêche que alors après quand on l'a tourné il y avait Stevenin dans le bus et tout mmh. il y avait l'effet pluie qui faisait mmh. des larmes sur ses mmh. joues et tout mmh. et là euh, Raoul il a kiffé il a dit, ouais, ah, c'est super. Ouais, et ça a été une journée de grand, grand bonheur. Voilà. <laughs> non, mais on comprend aussi pourquoi oui. il ne faut pas quitter le bus. Parce que là, quand on se met à la place du spectateur, on a une vision un peu impressionniste de, de la réalité. On a des bouts comme ça de réalité le village, la, le, la, la noce, la pluie, mmh. les gens qui dégoulinent. Et c'est très bien, ça suffit, en mais fait. C'est-à-dire même, ça fait comprendre qu'il que revient quelque part, qu'il connaît l'endroit. Si j'avais été dans tous les endroits, on aurait perdu. On n'aurait pas compris qu'il qu revient dans son village, à côté duquel, après, en coupant par des raccourcis au-dessus des fossés, et des glissières, est il ça, va monter il... à sa maison. Il traverse un champ pour entrer ouais. dans la ferme de son frère. Mmh. Donc voilà, les, topologies, enfin les topographies, comme j'ai des fois du mal à m'exprimer, et eh ben elles m'aide à exprimer les choses, mmh. y compris avec l'équipe et avec les acteurs. Euh, voilà. C'est très cinématographique, de toute façon. On fait comme on peut. Hein. Oui, je pensais à, à Sandrine Bonner, qu'on voit là, et vous dites à l'instant qu'elle est trop maquillée dans cette scène, par non, exemple. Celle-là, celle-là. Oui, oui, bien sûr. Oui. Mais ça, je vais poser une question qui concerne les, les répliques dans vos scénarios. J'ai pensé ça en revoyant Peau de Vache, là, et ça a trait au maquillage de Bonner, par exemple. Quand elle arrive dans la cuisine et que stevena est en train de cirer ses chaussures, de nuit. D'abord, on a son visage de nuit et après quand la lumière est allumée, je me suis fait la réflexion tiens, elle est maquillée et j'ai aimé voir quelles étaient les couleurs de maquillage qu'elle avait sur son visage qui pour moi me rappelait aussi un peu la province, enfin mmh. le mauve sur les paupières. Donc cette chose qui n'est justement pas naturaliste me fait voir le naturalisme, je sais pas comment dire. Non, mais et je tout comprends. Tout ça pour en venir à, aux, aux répliques. Je me demande comment vous écrivez vos scénarios, notamment concernant les dialogues. Par exemple, dans Peau de vache, il y a la réplique. Je sais plus comment Bonner dit à, à Stévenin, Il faut être complètement con pour aller en prison à la place de quelqu'un d'autre. » Oui. Et Stevena pour aller en prison à la place de quelqu'un d'autre. Oui. Et Stévenin répond :« C'est pas quelqu'un d'autre. Mmh. » Et plus tard, par exemple, quand Mince, c'est Jacques, comment l'acteur Spiester. Spiester, quand il dit à Bonner, alors tu l'aimes, Roland. Mm. Et je me suis dit, là, en revoyant le film, j'avais oublié si elle allait répondre ou pas. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'elle va lui faire dire, ma suite, là Et le fait que Bonner ne dise rien, s'assoit sur le canapé et bascule, ça nous dit évidemment, ça nous raconte évidemment tous les faits que Roland lui fait. Enfin, me semble-t-il. Et ouais. dernier exemple... Mais là, la à... dame qui parle, c'est Annie Oui, oui. Okay. oui. Je présente annie Anne Je oh. oh. actrice. Oh. J'ai reconnu oh. sa voix, comme je vois rien. Je ne ouais. pas la voir. C'est la et dame au foulard, attends. dans, dans ah, oui. Et c'est la femme de Paul Sanchez. Faut Patricia. Bienvenue. Ouais, ouais. respect. Oh. OK, finis ta et, question. Et donc, à la fin, par exemple, ça non plus, je n'avais pas bien relevé. Quand la petite Anna est... Dans une, à côté de sa flaque d'eau au, au bord de la route, et qu'elle joue avec ce jouet invraisemblable qui vomit euh, de la pâte à modeler, mm. euh, comme on pourrait vomir, euh, bah, je ne sais pas, sa haine de la famille ou du milieu ou de l'ambiance ou quoi, bref. Et que spi Spister Spiecer lui dit Je suis désolée, il ouais. faut que je le voie écrit. Jacques voilà. il lui dit il Reste pas là mon petit loup, c'est dangereux. Oui, ça pourrait être dangereux pour toi ou c'est dangereux quelque chose... Bah, t'as vu l'ancileuse, elle passe à 5 cm. Mmh. Bien sûr, oui. Mais donc moi, ces répliques-là, oui. je me demande comment tu les... Au sens, si tu veux, ou pour moi, ça, ça a le poids, tu sais bien que je viens du théâtre d'abord, mmh. ça a le poids du théâtre, sans avoir la lourdeur qu'on peut parfois trouver au théâtre quand d'un coup les choses deviennent ampoulées. C'est-à-dire le, le, le sens inconscient de ces phrases qui sont dites euh, l'air de rien mais qui contiennent tout. Quand Bonner, Bonner bascule sur le canapé sans répondre si elle aime Roland, mm. quand il dit à la petite ⁇ Reste pas là ⁇ c'est comme s'il lui disait ⁇ Casse-toi d'ici ma petite ⁇ Enfin on entend aussi ça. Mm. Euh, et je me demandais comment t'écrivais ça quand tu l'écrivais. quoi ben Comme Annise me connaît bien, elle sait que je suis que j'en chie quand j'écris. Voilà. Et que je et que n'écris pas toute seule, maintenant. Mais Pot de Vache, je l'ai écrit toute seule et il y a eu 17 versions, quand même. Hein. Ben c'est bien l'écrit. Hein, oui, oui, oui. en fait, les dialogues, ils sont, ils sont bien, finalement. Ouais, très, ouais. très bien. Ouais. Est-ce que mais... tu en avais écrit plus et puis tu en as enlevé Ou est-ce que c'est oui, est, est oui, est venu oui, comme après, ça, directement Non, non. mais en fait, ça, c'est une histoire drôle sur Pot de Vache, quand même. C'est-à-dire qu'à force de faire des versions que Stephen pas et tout, puis, etc., puis j'avais fait une version... Un an avant le tournage, où, où il était après la prison, il était allé en Australie. Il avait fait fortune dans la boulangerie-pâtisserie et il était revenu avec un aborigène chercher des pots de gélatine et il en profitait pour venir voir son frère pour régler le compte. Un peu comme quoi moi en 2007, j'ai dit à coutard, bon, faut voit, on, il faut qu'on se voit, il faut qu'on règle nos comptes. Mmh. Voilà. Et, euh, et, et après on, est, on et après s'aimait quoi. Mais mais euh, mais euh, et Ça aurait été un quoi. autre film quand même. Non non, mais c'était pas une série B, c'était une série Z prime quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une limousine, une limousine qui attendait à un carrefour vers Amiens, ah, oui. où l'aborigène était là avec les pots de gélatine et il lui disait bon, quand est-ce qu'on rentre patron Ah oui. Donc il avait une fortune. Donc quoi. bon, quand tu me demandes comment j'écris les dialogues, donc au bout d'un moment j'ai vu que c'était n'importe quoi et j'ai été rechercher. Oui, il venait chercher des fournitures françaises. Et, euh, été, et donc du coup j'ai été, je suis repartie à l'os pre, des premières versions quoi. Voilà. Et après le scénario a bougé pendant pendant le tournage. Pour effectivement il avait un problème. Sandrine n'avait rien à jouer. Elle aurait été un spectateur de Roland-Garros entre les deux frères. C'était à peu près ça. Et on s'en est rendu compte. Et donc c'est pour ça que je, je l'ai fait courir et après... Et que... Elle prend le pouvoir, même à oui, la oui. fin du film, elle prend le pouvoir. Enfin, voilà. une partie du pouvoir, oui. en tout cas. Oui, oui. La seule chose qui était écrite de Sandrine, vraiment, c'était au milieu de la, de la bagarre dans la boue, quand elle arrive et qu'elle dit « je veux qu'il parte ». Ça, c'était écrit dans les premiers scénarios. Mais sinon, tout le truc de la femme, là, je l'écrivais le dimanche pour la semaine. quoi Voilà. Bonjour, c'est pas, pas, je ne sais pas si c'est vraiment une question. Et puis vous avez commencé à, à l'évoquer dans les différentes réponses, mais en voyant ce film et puis d'autres, je me dis qu'il y a un goût pour les trajets, les trajectoires de personnages, mais les trajets, on, on fait beaucoup de trajets dans vos films, on va, on vient. Et celui-ci, ça me frappe comme plus on avance et plus on se met à courir. Là, vous venez de l'évoquer. Voilà, c'est pas vraiment une question, mais je me demandais simplement. Euh ben, si, si vous, c'est quelque chose auquel vous vous attachez en particulier, ou si voilà, c'est là dans vos films C'est un truc lié au lieu. Et puis je pense que c'est... Euh, par exemple, dans Peau de Vache, comme dans Bowling Saturne, où il y a très peu de dialogue, les déplacements sont... Les gènes, les passifs sont ce qui se filme, les silences. Donc du coup, je ne vais pas être tout le temps avec quelqu'un comme ça. Mmh. C'est la musique du oui. film, en fait. C'est le oui. mouvement de, de via musical, oui. trouve, souvent. Et là, euh, Roland, ça, il illustre quand il s'échappe avec le chien, etc., mmh. et que ça finit mal. D'ailleurs, le plan où il porte le cadavre du chien, c'est euh, un plan que j'aime beaucoup, que Raoul ne voulait pas faire, parce qu'il le trouvait plat. Et moi, celui-là, je celui savais un peu m'exprimer. J'ai dit non, non, parce qu'en fait, j'avais l'impression de voir un plan de faits divers, mmh. de photos de journal. Mmh. Et, et je trouvais que c'était bien pour clôturer la scène où on avait quand même fait euh, des travelling très lyriques du genre ⁇ Ah, j'ai trouvé un copain, j'ai trouvé un copain euh, ⁇ et puis il n'a pas de copain. Il ne garde pas longtemps quoi. Non, non, non. Donc, euh, donc là, c'est un travail. Mais c'est vrai qu'il y a plein de... Et puis Sandrine, quand elle, elle va prendre... La... Quand elle va au, au bar snack qui est fermé et qu'elle repart, euh, et là j'ai mis très longtemps quand elle partait, j'adorais cette ruelle dans le village. Parce que je trouvais que ça faisait comme dans un film de Boris Barnett. Bon. Ah oui, chacun bien. ses trucs. Quoi. <laughs> Là, non, mais les, euh, les déplacements créent un trucs, effet, ouais. euh, rythme, enfin, un rythme. Quoi. Ça crée un rythme, ça donne un rythme au film. Sur Peau de Vache, euh, sur, ouais. Ouais. sur Bowling, c'est de, de descendre dans l'entraille. Euh, sur euh, sur Saint-Cyr, il y a beaucoup de déplacements aussi. Parce que c'est avec Madame de Maintenon, on rythme les, les allées et venues. Enfin, c'est des trucs de narration qui sont quand même efficaces euh, narrativement, parce que du coup, on n'a pas besoin d'expliquer le pouvoir, par exemple dans, dans, dans Saint-Cyr, les, les trajets de Madame de Maintenon ou des gens qui viennent, qui passent les colonnes. Le fait que ce ne soit pas un mur, mais des colonnes montre que c'est une école de l'utopie au début, ça marque le territoire sans l'enfermer. Et donc, euh, ben, on, on, d'une certaine manière, on sent la proximité de Versailles alors qu'on n'y va jamais puisqu'on sait qu'elle y habite, euh, ce genre de trucs. Quoi. Voilà. Des... Donc, c'est des outils d'écriture, de, mmh. de, de plan, de, de... qui évitent de raconter euh, ce qui se passe en dialogue, je dirais. C'est plus oui, bah, ça. C'est de la bah... fumisterie, en fait. Mmh. Non, mais ouais. là, le pot de vache, c'est quand même des gens qui parlent pas beaucoup. C'est plutôt des taiseux. Donc, mmh. il faut trouver autre chose pour que s'exprime leur émotion. Mais l'idée mmh. du nez qui saigne, c'est... Excellente... Mais ça, elle est venue une est semaine avant le tournage. Hein. Ouais. Ouais. Mais elle est parfaite, quoi. ouais, ouais c'était bien. J'étais contente. Cette leçon de cinéma se poursuit par une signature à la librairie de la Cinémathèque française par la cinéaste de l'ouvrage Patricia Mazui, L'échappée sauvage, publié chez Playlist Society, et du DVD, DVD Blu-ray, euh, Peau de Vache, édité par La Traverse. Voilà. Merci, Patricia. Merci à vous.